et Nora Malagré apprend le pire quelques semaines avant son mariage. Gros coup dur pour Enora Malagré, qui tombe de très très haut. Elle vient en effet d'apprendre la pire des choses à l'approche de ce qui devait être le plus beau jour de sa vie. Alors que la chroniqueuse nageait en plein bonheur, elle se retrouve aujourd'hui dans un cauchemar que personne n'aurait pu imaginer. Personne, même pas elle. Mais que lui est-il arrivé au juste? Depuis plusieurs années, Enora Malagré est en couple avec un certain Hugo Vitrani, un homme avec qui le coup de foudre a été immédiat, comme elle le confiait peu de temps après leur rencontre. « Je me souviens de ce dîner où j'ai rencontré mon compagnon, curateur au palais de Tokyo. La crise est venue d'un coup, je lui en ai parlé et tout de suite, je lui ai donné accès à une intimité, et pas la meilleure part de la mienne. » Il y a quelques mois, les Tourtereaux ont d'ailleurs passé un cap en annonçant qu'ils allaient se marier pour le plus grand bonheur de l'ancienne acolyte de Cyril Hanouna, qui avait partagé ce cliché sur son compte Instagram, montrant ses bagues de fiançailles assez originales. Un cliché qui était accompagné de la légende « J'ai dit trois fois « oui ». Et après quoi, elle avait été chaleureusement félicitée par 16 abonnés qui n'avaient pas hésité à lui souhaiter beaucoup de bonheur. Mais malheureusement, un peu moins d'un an après cette annonce, coup de tonnerre. Tout ne s'est pas passé comme prévu pour les deux amoureux, puisque ce mariage, qui devait se dérouler dans les prochaines semaines, n'aura finalement pas lieu. Et pour cause, Hugo Vitrani a décidé à la surprise générale de quitter Enora Malagré juste après les fêtes de Noël, et pas pour n'importe quelle raison. Comme l'indique une source auprès du magazine Voici, l'ancien compagnon de la jolie blonde serait tombé fou amoureux d'une autre femme dont le nom n'a, à ce jour, pas filtré. La source raconte « Ils sont partis en vacances ensemble à Noël et à leur retour, il lui a dit qu'il avait rencontré quelqu'un et que leur union n'aurait pas lieu. » Si l'ancienne chroniqueuse de Cyril Hanouna n'a toujours pas pris la parole à ce sujet, tout porte à croire que cette nouvelle a été un véritable coup dur pour elle, qui pensait enfin avoir trouvé l'homme idéal avec qui elle allait passer le reste de sa vie. Une histoire d'amour qui aura duré 3 ans et qui se termine finalement de la pire des manières pour Enora Malagré, qui, on l'espère, parviendra à tourner définitivement la page. Hugo Vitrani, plutôt très discret lorsqu'il s'agit de sa vie privée, ne s'est pas non plus exprimé à ce sujet.